Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Beyond Two Souls. On est parti pour la suite de cette aventure. La dernière fois, on a appris tout simplement, Jody s'était enfuie de la CIA, qu'elle a été poursuivie et qu'elle a fait un carnage pas possible. Donc la CIA est toujours à sa poursuite actuellement, le SWAT aussi, hein, de toute façon ils sont tous ensemble. Et on a également eu un moment de sa vie quand elle était enfant, avec ses parents adoptifs. Alors au début je croyais que c'était vraiment ses parents, mais apparemment non, on ne connaît pas du tout ses parents. Et on a également vu qu'elle se faisait attaquer par des monstres, et non par Aiden. Aiden qui a l'air de vouloir la défendre, je pense, en tout cas ça a l'air d'être le cas. Donc il y a d'autres esprits qui lui veulent du mal. Pourquoi? On n'en sait rien, mais on va peut-être découvrir ça dans les prochains épisodes. Allons-y, let's go. Condenseur, alors là ça se passe entre l'anniversaire et le moment où on a été admis à la CIA. D'accord. Ok, l'adolescence quoi. Jody, debout. On n'a pas eu de période de sa vie quand elle était adolescente, à part l'anniversaire, mais elle était encore plus jeune. Je t'expliquerai dans la voiture. La DPA a lancé un programme pour étudier l'autre, l'inframonde. Ils ont créé un condenseur, une machine qui ouvre une faille vers l'autre dimension. Ils ont ouvert un passage vers le monde d'Aiden? Il y a eu un problème hier soir, des entités sont passées par la faille et on n'a pas pu éteindre le condenseur. D'accord. Tout le monde dans le bâtiment a été tué et aucune équipe de secours n'en est revenue. Ils ont demandé ton aide, mais je leur ai dit que tu étais une enfant et que c'était trop dangereux. Malheureusement, ils savent que tu es la seule qui puisse vaincre les entités de l'autre côté. Donc on a notre réponse. Donc c'est à cause d'eux s'il y a des entités qui me veulent du mal. Ils les ont laissés passer. Mais ça serait bizarre parce qu'on avait déjà ces entités qui me veulent du mal quand j'étais enfant. C'est ça qui est étrange, tu vois. Ces monstres, comme on les appelle, me voulaient déjà du mal quand j'étais enfant. Donc je dis, c'est bizarre. Si tu n'es pas d'accord, il suffit de le dire. Et je te ramène. Oh si, on va y aller. Je vais le faire. Alors, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va y aller. C'est parti. Attends, c'est de la folie. Tu peux pas l'envoyer à l'intérieur. T'es devenu dingue. Essaie de comprendre. C'est la seule qui soit capable d'arrêter ce massacre. Oh. Ah mais c'est littéralement le bordel, là on a les ambulances partout, on a des gens qui sont complètement blessés. Alors, est-ce que les gens vont pas avoir peur de moi du coup, parce que je suis quand même lié de près ou de loin à cette... Enfin même de près non, mais je suis lié de près à ce souci. On a des infos sur ce qui se passe à l'intérieur, quelque chose? Enfin, je suis pas lié à ce souci, vous m'avez compris, c'est mais... Désolé, je peux pas vous laisser qu'ils passer. Une fille. Oui, c'est moi. Laissez-moi passer s'il vous plaît. Désolé. Merci. On va se diriger directement là-bas. Allons-y, c'est bon, je suis prêt. Pas encore. Je dois attendre les ordres. Ah non mais... C'est un cauchemar. Ok. J'arrête pas de penser que j'aimerais mieux. Oh mais le... Ils ont tué tout le monde. Je sais pas ce qui a pu provoquer tout ça, à part, comme ils l'ont dit, les entités, mais... À ce point-là. Le condenseur est situé au dernier sous-sol. Tu dois trouver la salle de commande, c'est tout ce qu'ils ont pu me dire. Je dis, les entités autour de la faille ne sont pas comme Aiden. Elles viennent du plus profond de l'au-delà, on ne sait presque rien sur elles pour le moment. Mais pourquoi vous avez ouvert une faille? Je vis avec une entité sur laquelle je sais rien depuis que je suis né. Je sais que vous voulez étudier tout ça, mais... Enfin, je sais pas. C'est bon. T'en fais pas, je compte pas mourir aujourd'hui. Ça, c'est encore un mec qui a voulu aller trop loin et qui s'est rendu compte au dernier moment qu'il avait fait une connerie. Bon bah let's go, hein. Le sort du monde est entre nos mains. Bon, du monde j'exagère un peu, mais en tout cas le sort de la ville. Super, je suis heureux. Bah, je suis heureuse si je me mets dans la peau de Jody. On y va. Enfin, ces effets de lumière et tout, je sais pas pour c'est incroyable. Toi,
Mais moi j'ai peur. Est-ce qu'on peut contrôler Aiden maintenant? Ah ouais, on peut déjà contrôler Aiden. Attendez, je vais juste avancer un peu pour voir ce qu'il y a. Warning. Bon, je vais pas pouvoir aller trop loin, donc ça sert à rien. Je vais quand même m'approcher de la porte. On peut courir, non? C'est un carnage. Là, on va avoir besoin d'Aiden, je suppose, pour ouvrir cette porte. Ah non, il y a un bouton là directement. Ah, c'est bloqué. Le monde chargé coincé. Essaie de trouver une solution, Aiden. Pour descendre. Il y a un truc qui coince en bas là, j'entends. Je sais pas ce qui coince, mais ce serait ça là? Ah, il faut descendre encore plus bas. Certainement. Ah, très bien. Et boum! Voilà. Ça fonctionne. Mais il pou... Enfin, je comprends qu'ils envoient la fille parce que c'est un peu elle qui peut contrôler justement les esprits et les entités venues de l'au-delà, hein, puisqu'ils l'ont examiné pendant des années. Mais ce que je comprends pas, c'est. Ils l'envoient toute seule, sans aucune aide? C'est un peu bizarre. Alors je comprends bien que les militaires vont pas pouvoir empêcher les entités de faire ce qu'elles ont à faire, parce que ça va être Jody qui va pouvoir. Mais un minimum de défense, un minimum d'aide. Là par exemple la porte est bloquée. Je sais pas. Ils sont vraiment horribles les mecs. Se dit allez vas-y Jody rentre dedans. Ah ça il fallait t'en douter ça. T'en as vu plein des comme ça. À la sortie. Pas très prudent les mecs hein, d'envoyer juste Jody comme ça s'occuper de tout ce bordel. Surtout qu'elle connaît pas forcément exactement tout. Rediriger les... Ah oui, on va pouvoir le soigner du coup. Ah mais là il est mort là hein, j'ai l'impression hein. Attendez. Ah non d'accord, ok, faut le rediriger vers là-bas. Attendez, je comprends pas comment il faut faire. Faut corriger les mains vers la tête de Jody, est-ce qu'elle est un flashback? Ah d'accord, ok, la mémoire. Ah oui, elle peut prendre la mémoire des gens. Là, de cette façon. Non, plus vers la tête. Là, on est bien. Je savais pas qu'elle pouvait faire ça. Oh, c'est vrai, il s'est pris juste une valise. Il est mort avec une valise, il abuse. Il fait le mort, il fait semblant d'être mort. Il s'est pris une valise. Ça va, il va pas se plaindre. Ah, je dois aller plus loin. Ah bah je dois aller vraiment au dernier. Tout au fond, au sous-sol. C'est là que le condensateur, je crois que c'est le condensateur qu'on recherche. Je sais plus exactement le nom du truc. Nous y sommes. Oh là là, il y a encore des mecs morts. Oh! Il y a de la mort à l'intérieur. Mais je voulais pas y aller moi de base. On m'a obligé. Oh là, lui il est pas mort, il est possédé par les entités hein. S'il a pu dire quelque chose, il est complètement possédé. Alors, est-ce que je peux avoir des souvenirs de ce corps-là? Non, pas du tout. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, t'essaies juste de le pousser de la porte là? Ouais. Ah, j'ai l'impression. Oh, il gênait pas tellement. Si? Oh, si, légèrement quand même. Je comprends maintenant pourquoi les militaires voulaient pas venir avec nous. Ok. Je comprends, ils ont juste la flip. Oh, wow, 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 c'est en train de se lever derrière moi. Je chante quand je flippe. C'est ma manière de me rassurer. On est parti en film d'horreur.
Alors soit elle commence, alors soit c'est les entités qui l'affaiblissent et qui essaie d'ouvrir depuis l'autre côté. Qui l'affaiblissent tout simplement, ou soit ils arrivent à contrôler du coup les corps, ce qui est largement possible. Après c'est possible qu'elle soit aussi dérangée hein, par tout ce qui se passe là, c'est tout à fait normal. Ouvrir de l'autre côté. Là il y a quelque chose là. Je sais pas si c'est ça. Non là il y a un bouton. Ce serait plutôt ça je pense hein. Voilà. Parfait. Je sais. Je le sens moi aussi. Elles sont là. Les entités ? Reste près de moi, ok ? Donc ça ce serait les entités du coup qui en veulent à Jodie. Je pense. Mais ça voudrait dire que qu'elles sont là depuis... Bah là on va aller à droite en fait. Non, en fait je suis pas obligé de faire ça, on va juste aller à droite. Elles sont là depuis sa naissance, donc ça veut dire que elles sont pas échappées maintenant. Parce que si elles se sont échappées maintenant, ou alors c'est pas les mêmes. C'est peut-être pas les mêmes après hein. Attends, on peut pas. Ah là on a des souvenirs. On va aller voir. C'est important les souvenirs. Il y a des conduites là-haut. Attends. Il y a des souvenirs. D'abord les souvenirs. On l'a pas là les souvenirs ? Ah ouais d'accord, ok, on était décalé de quelques millimètres. Attendez. Mais on arrive pas là ? Je comprends pas là. Mais non mais. Ça me saoule. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe là ? Là. Mais what ? Alors attendez. J'ai du mal à comprendre le si... Enfin, j'arrive à comprendre, mais rapidement, en fait. Bon, on va y arriver, J'ai absolument envie de voir le souvenir, quand même, c'est intéressant. Ah, déplacer de cette façon, peut-être. Ah, là, je suis bien. Ouais, d'accord, ok. On en voit un peu plus, c'est une sorte de masse brumeuse, un peu noire. Ah lui par contre il a peut-être un peu plus souffert que l'autre. Ça je pense pas qu'on puisse le pousser, mais c'est exactement la même armoire. Hein. Donc, t'es un peu débile je dis quand même. Hein. T'as juste à monter sur... On a juste à monter sur l'armoire là en fait, je pense. Non ? Ah, on a juste à monter là ? Non ? Sérieux, elle peut pas ? Genre elle peut pas là. Ok. Bon, on va faire la pousser. On va la faire pousser avec le boss. Avec Aiden. Enlever ça aussi. On va tout faire tomber. Ouais, il fallait surtout faire tomber celle-là en fait. L'autre c'était un peu inutile. Le moment où je dois lever la manette ou la baisser, j'ai peur de taper dans le micro ou dans le bureau. C'est un peu chiant. Ouh, cette position, je dis. Excusez-moi. Ça fait un peu beauf quand même de dire ça. Excusez-moi, je m'en excuse d'avance. C'est vraiment pas voulu. Mais c'est le feu partout ici, bordel. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Oh là 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 là. Encore des gens vivants, réellement. Wow. J'aime pas les bruits stridents comme ça là.
Attendez, on va péter les vitres là, je suppose. Mais pourquoi? Mais si, je veux passer moi. Ah, bon, il y a ça aussi. Génial. Allez, on y va. C'était la même chose en fait, hein. Mais qu'est-ce qu'a fait? C'est pas ce que je voulais faire. On a déjà pété la vitre là-bas. J'ai vraiment pas compris là, mais bon, pourquoi pas. On a pété la vitre là-bas en faisant tomber le... C'est parce que je suis passé à côté de l'objet, je pense. J'ai dû le ramasser sans faire exprès. Là. Fallait l'aider, elle est encore vivante. Ou il est encore vivant. Ah non, lui il est mort. Non, ce que je voulais faire c'est... Non, mais qu'est-ce que fait mon personnage là? Oula. Oula, qu'est-ce qui m'arrive là? Il est bourré ou quoi, Aiden? Mais... Pourquoi j'arrive pas? Oula, j'ai galéré, excusez-moi. Alors, cette fois-ci, on sait comment faire maintenant. On avait pas trop compris hein, quand même, comment on utilisait le... Les deux points. Les militaires doivent être en état de choc là dehors. Ceux qui ont survécu, ils doivent... C'est pour ça qu'il n'y a personne qui m'accompagne. C'est totalement évident. C'était une question de me diriger en fait, surtout, et de me... D'éviter que je me blesse quoi. Le pompier maintenant. Oh, il est en train de se faire bousiller hein. Par contre, n'utilise pas toute ton énergie pour voir les souvenirs de tout le monde. Hein. Pas obligé. Hein. Ok, bon là on peut pas passer. Il nous faudrait peut-être un extincteur, je pense. Bah sur le pompier là, il en a pas sur lui. Non, il l'a laissé tomber en fait à un moment. Il me faut un extincteur. Ah ouais, j'avais compris. Il doit bien y en avoir un quelque part. Je vais essayer. Trouve-le, Aiden. Mais il est derrière du coup, je suppose. C'est dans le couloir qu'il s'est fait shooter. Ouais, voilà. Je pense que si je le projette, voilà. Pas mal. Aiden. Alors tu disais que tu contrôlais pas Aiden. C'est le cas. Mais par contre, quand tu lui dis de faire quelque chose, il le fait. Il est pas obligé, mais il le fait. On n'aura pas encore besoin. Bon, ah, on va peut-être passer. Ouais, on va passer sur la gauche. Mais il sort d'où lui? Mais il était. Ah, ils sont pas totalement morts. Alors ils sont morts, ils sont contrôlés par les entités. Parce que lui, s'il était vivant, on l'aurait entendu au loin depuis. Hein. Attention de pas se blesser. Attention au verre. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, c'est parce que c'est coupé. Merde. On va aller vers les ordinateurs. Enfin, les ordinateurs, les écrans. Du calme, je m'appelle Jodie, je travaille avec le professeur Dawkins. Les entités, elles ont envahi le laboratoire. Des créatures de l'au-delà. J'ai réussi à me cacher, mais elles sont encore là. Je sais qu'elles sont là. Essayez d'atteindre le mont de charge. Il fonctionne bien maintenant, vous devriez pouvoir sortir. Vous restez ici? Mais ces choses vont vous tuer. T'inquiète pas mon gars. Je ne suis pas seule. Toujours seule face. Il dit ça, le mec il va se faire. Oh, j'en étais sûr qu'il allait se faire choper ou quelque chose comme ça. Ah, bah là c'est contrôlé. Je pensais qu'il allait mourir. Ok, donc on nous contrôle bien. Merde, je me suis trompé de touche. Oh mince. Oh là là, vite. Donc ils peuvent bien les contrôler hein, depuis le début, c'est ce qu'on voit. C'était obligé qu'il allait soit se faire tuer, soit se faire contrôler, un des deux.
Oh merde, vas-y, mets-lui un bon coup dans la gueule. Voilà, qu'on en finit. Ah non, mais là, il est complètement. T'as sa tête qui a fait des vibrations. Va mourir, sale. Waouh, 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 waouh. Oh, je me suis trompé, il fallait s'abaisser là. Je savais pas ce qu'il fallait faire. Si il faut faire, qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est bien joué. Les mouvements sont trop flippants. Vous savez, les mouvements très rapides, ça me fait penser à ça le film. Je sais pas si vous l'avez vu. Oh là là, merde, mais non, mais les esquives là, Kira. Je vous loupe tout depuis tout à l'heure. Oh, j'ai réussi une esquive. Le clown, ça. Dans le récent film là, pas l'ancien. Il bouge exactement pareil, c'est à dire qu'il a des. Il a des spasmes assez étranges en mode. Des tremblements rapides, c'est horrible, moi ça me fait trop flipper. C'est assez flippant. Allez, on y va, on se casse. Alors j'ai loupé pas mal de commandes hein. Crasse-lui la gueule. C'était pas en bas qu'il fallait. Alors des moments j'ai vraiment du mal. Ça c'est difficile mais au moins c'est réaliste. Savoir à quel côté. Là c'est vers le bas alors. Ah mais dis pas le contraire. Fais attention à toi, il peut revenir à la vie. Alors lui ils ont réussi à le contrôler mais il était encore vivant. Après, est-ce qu'ils peuvent contrôler les gens qui sont morts? Ça c'est une question que je me pose. On sait pas en fait. Depuis le début on a vu quelques personnes. Mais en effet ils étaient peut-être vivants. Mais là Jodie elle est complètement complètement déboussolée là. Elle va juste essayer de se casser je pense, non? Ah non, on avance encore là. Attends-toi. Encore des souvenirs. C'est pas vrai, faites-nous sortir de là! Bon sang, les entités peuvent traverser la matière, ça les arrêtera désolé, pas! Je ne peux pas vous laisser. Oh merde! Ah ouais. Ok. Bon. C'est uniquement si t'es vivant qu'ils peuvent te contrôler. Si t'es mort, c'est terminé. Ça, on en est sûr maintenant parce que sinon, les entités auraient pu utiliser tous les gens morts là qui sont là actuellement. Même contre nous là vu qu'on est à côté. Ça s'ouvre vraiment pas. Bon, y a un truc activé derrière hein, comme d'habitude. Ah même devant. Ah oui ça suffit devant. Ah bah voilà. Reste près de moi, d'accord? Ah par contre Aiden te rassure hein. Là je comprends. Oulala. 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 Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas où aller. Oh merde. Mais j'ai du mal hein. Je vais tout prendre dans la gueule. J'y crois pas. Sur le côté. C'est bon là. Wow. Non mais non vite. Non mais là maintenant sors de là, t'as failli mourir. Tu dois tellement haïr les gens qui t'ont envoyé dans tout ce bordel après. Après, elle a dit qu'elle voulait y aller. Tu vois. L'autre l'a pas obligé finalement. Hein. Il lui a proposé. Mais c'est vrai que je pense qu'elle s'attendait pas vraiment à ce qui est tout ce bordel là. Même moi, je m'y attendais pas. Hein, pour dire. Oh là 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 là. Pourquoi on est lié à tout ça? Du hasard. Le condenseur est proche. C'est le condenseur, j'arrive pas le condensateur. De l'autre côté. Il suffit d'y aller tout doucement. Pourquoi on est lié à tout ça? Sans se faire repérer. Ils voient tout, les entités. Ils savent que t'es là depuis le début. Je pense qu'ils peuvent pas t'atteindre parce que Aiden actuellement te protège, mais ils peuvent t'atteindre physiquement. Et c'est d'ailleurs pour ça que les entités utilisent des corps humains pour que. Je pense, hein. Sincèrement, je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'ils peuvent pas la choper parce que Aiden est là.
Je pense que c'est forcément ça, de toute façon. Physiquement, enfin... spirituellement, ils peuvent rien faire. Il me faut un passe. Et merde. Mais physiquement, ils peuvent contrôler des objets pour l'empêcher. Un passe. Un passe. T'as pas ton passe Navigo sur toi ? Marcherait pas. Oh là là ! Mais dis donc. Je pourrais peut-être me déplacer avec Aiden pour trouver le pass. Ce serait peut-être un peu plus rapide. Ah là, il a un pass sur lui. Et qu'est-ce que t'attends? Ah, c'était juste pour regarder. Ça y est. C'est vachement fait. Je déteste ça. Quand ça vibre comme ça, c'est horrible. Merde. Oh, cassez-vous. Mais cassez-vous. Mais non, je vous ai rien fait. Non. Ok. Elle a osé. Vite. Allez. C'est pas la bonne carte. J'ai besoin d'aide tout de suite. Merde. Juste les... Ah oui, je peux carrément les désactiver, quoi. Non. Vous restez à terre, s'il vous plaît. Bon, je suppose que Aiden fait pareil avec les entités. Nous on le voit pas parce qu'on contrôle Aiden uniquement dans ce genre de scène. C'est bon. C'est trop effrayant. C'est beaucoup trop effrayant le mouvement de tête là. La vibration de la tête c'est effrayant. J'aime pas ça. Bon, on arrive au condenseur ou parce que là putain, vu tout ce qu'on a passé, il fallait vraiment nous le dire que c'était aussi loin, hein. J'ai l'impression qu'on va jamais y arriver. Là, ça doit être bon. T'avais deux portes blindées. Ah bah voilà, il est là. Alerte. Attendez, on va toucher au bouton là. Il y a un gros bouton rouge là, avec alerte. Oh, ah bah là, on les voit vraiment bien les entités. Ça ressemble à rien du tout. Ah, ils ont vraiment créé un portail. Putain, va falloir le refermer par contre. Ça me fait penser un peu à Stranger Things du coup. Vous savez, le passage vers un autre monde. Un monde qui est superposé au nôtre en fait. Mais qui est complètement différent. Fallait juste faire ça. Ouais, non, ça me paraît assez bizarre, hein, aussi. Fallait juste éteindre le bouton power. Si ça marchait aussi facilement. Non! Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais y'a peut-être rien là-bas. Ah si, y'avait un. Y'a écrit là-bas, Control Room 2. Ouais. Après, c'est pas trop ce qu'il y a là-bas, donc il y va un peu. À l'aveugle. Oh! Je vais foncer jusqu'à la console. Je cours, et toi tu me protèges des entités, d'accord? Bon, on va devoir. On va être efficace là. Hein. Allez, go. Alors, est-ce qu'on doit contrôler Aiden en même temps? Je pense pas. Bon, moi, je vais rester sur Jody. Hein. Oh merde. Dégage-moi. Faut les tirer ou le concentrer? Ah, ok, faut concentrer. Barrez-vous! Là il faut tirer, il faut l'expulser. Ah merde, je me suis trompé. Ok, il faut l'expulser. Allez, salut, à la prochaine. Faut concentrer et expulser, j'ai l'impression. Ah, monte. Donc on n'est pas obligé de suivre de switch avec Aiden, ça se fait automatiquement. Putain, incroyable cette scène. Cours. Oh là là, c'est beau, bordel.
Quand il y a des effets de lumière comme ça, de particules, c'est toujours magnifique. On esquive sur le côté. Des yeux derrière la tête. Merde, merde, merde. Va leur faire descendre l'échelle. L'échelle ! Aiden, fais vite ! Hop. Je pose toujours des questions sur... sur qui est Aiden en fait réellement. Est-ce que c'est juste un... Parce que ça reste une entité Aiden, mais pourquoi elle est sympa avec nous? Oh là, l'esquive au dernier moment. Dégage de là toi. Salut, à la prochaine. Hop. En fait, les entités qui sont proches, on doit concentrer. Les entités qui s'approchent et qui sont un peu plus loin, on doit juste les rejeter. Alors, Aiden, efficace, hein? À chaque fois que je parle d'Aiden, j'ai l'impression d'être dans Watch Dogs. C'est horrible. Je crois que c'est la dernière échelle avant d'arriver à la... Ouais, c'est le dernier étage, là, hein. Là, il n'y a pas plus haut. T'as intérêt que ce soit bon, hein, parce que si t'as monté... Attends, non merde, je me suis cassé la gueule. Je me suis pris des dégâts, c'est pas grave. Mais en vrai, c'est pas grave de se prendre des dégâts. C'est pas très important, hein. Attends, attends, elle va vraiment faire ça, là? C'est même pas ce qu'elle fait, la pauvre Jody. Allez, salut. C'est bordélique, mais heureusement qu'on contrôle pas Aiden, hein. C'est directement directement visé. Ah non, là il faut juste tirer. Oh merde, je me suis bourré. Il faut concentrer. On va y arriver. T'as intérêt à ce qu'il y ait un bouton en haut pour arrêter le truc, parce que là t'as les boules. Oula, oulala, oulala, oulala. Enfin, je rate le bouton là. Oh, ça c'est bon ça. Eh bah dis donc. Pas de tout repos. Alors, est-ce que du coup c'est à partir de ce moment là que les entités ont pu peut-être revenir dans le passé pour faire chier Jody? Oula, oula. Non, c'est pas terminé du tout là. Non. Ah non, c'est pas du tout terminé. Encore pire qu'avant. Au moins, plus de problèmes d'entité. Peut-être que c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, c'est-à-dire balancer une bombe. Lâcher une bombe sur ce bâtiment. Voilà, c'était peut-être la bonne solution aussi. Peut-être, je sais pas. Bah écoutez, elle était intense cette scène, hein. Alors on en apprend pas vraiment, enfin si, on en apprend beaucoup plus parce que maintenant on sait que y a des entités qui sont peut-être venues sur le monde à cause d'eux. Cette façon. Et Aiden... De toute façon, Aiden est encore là parce qu'on le revoit dans le futur. Je peux pas lui montrer qu'on est là, s'il te plaît? Aiden! Ah, bah regarde. Me sens-tu? M'entends-tu? Il a rien fait, elle a réussi à le sentir. Attire beaucoup Aiden du coup quand même. Là c'est là qu'on le remarque avec cet épisode que
Aiden fait vraiment tout pour elle et qu'elle avait... Elle a vraiment eu peur qu'en détruisant justement le portail, donc en éliminant les entités, finalement Aiden est une entité aussi, que Aiden soit détruit aussi en même temps. Bon sang, non, t'as bien fait de m'envoyer, sinon tu serais mort, tout le monde serait mort là en fait. Ne les laisse plus jamais faire ça. S'ils ouvrent un passage, il ne restera plus rien. Vraiment pas mal cette scène en tout cas. Vraiment pas mal. Ok. Condenseur, pourcentage de joueurs. Alors on va regarder un peu. Vous empruntez corps à canaliser manqué. Très bien. Scientifique possédé tué. Ah ouais, il y a des voix qui sont quand même compliquées là. T'as 4% des joueurs qui n'ont pas trouvé l'autre voix. Scientifique possédé tué. Et on pouvait faire quoi du coup? On se laissait. On le tuait pas alors du coup? On n'était pas obligé de le tuer? Ok, condenseur désactivé, très bien. Toujours au-dessus de la moyenne hein, par rapport au pourcentage. Bon bah écoutez les potes, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Elle est un peu moins longue que les autres vidéos d'habitude, mais si je relance une scène, ça va peut-être durer un peu trop longtemps et j'ai pas envie non plus de faire un épisode de plus d'une heure. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode de Beyond Two Souls. On se retrouvera bien entendu comme d'habitude dans 2 jours pour la suite de ce jeu incroyable. Je fais de gros bisous et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se dit à la prochaine, c'était Kira, salut.